Pendant la Première Guerre mondiale, vous avez un nombre énorme de pilotes qui ont été entraînés. Une fois la guerre terminée en 1918, la plupart d'entre eux sont retournés chez eux. Mais quelques-uns ont essayé de continuer à voler. Au niveau canadien, il n'y avait pas vraiment de ligne aérienne. Par contre, certaines personnes ont essayé de voir ce qu'on pouvait faire avec l'aviation. Aux environs 1919-1920, ça a été les débuts de ce qu'on appelle le vol de brousse. Il y a des expériences qui ont été faites ici avec l'original de la Vigilance, qui est un hydravion qui a été utilisé pour les débuts du vol de brousse canadien, pour utiliser l'avion à des fins civiles, à des fins utiles. Au niveau canadien, bon, ça s'est fait au Québec. C'était deux appareils qui avaient été prêtés par les Forces armées canadiennes à une société qui s'intéressait à la protection des ressources forestières de la région du Saint-Maurice, donc le lac à la Tortue. Donc, vous avez des hydravions à coque qui avaient été utilisés à partir de 1919, qui avaient fait un long voyage de Halifax jusqu'au lac à la Tortue, qui était le premier vol longue distance canadien en 1919. Ce genre d'appareil-là, ce genre d'hydravion à coque, a été utilisé au Canada pour les débuts du vol de brousse. Mais quand même, un point à noter, c'est la géographie canadienne. À l'époque, il n'y avait pas vraiment d'aéroport à l'extérieur des grandes villes. Donc, il pouvait y avoir Toronto, il pouvait y avoir des terrains d'aviation, un terrain plat. Mais ce n'était pas les aéroports comme ça existe aujourd'hui. Mais de façon générale, si on voulait voler dans les régions éloignées, la seule façon de se déplacer en avion, c'était avec non pas des avions, mais des hydravions. Parce que les seules pistes d'atterrissage, c'était lacs et rivières. Le problème, c'est que l'hiver, vos rivières et vos lacs vont geler. Donc, ça prend des appareils spécialement adaptés pour les conditions canadiennes, ce qui n'était pas le cas pour les premiers appareils utilisés comme la Vigilance, qui est un hydravion à coque, à cabine ouverte et à moteur refroidi par liquide. Donc, vous avez un radiateur. Ce ne sont pas des appareils vraiment utilisable en saison hivernale. Mais quand même, les débuts du vol de brousse, ça s'est fait avec ça. Où les pilotes faisaient la surveillance de forêt pour protéger contre les feux de forêt. On faisait de la prospection, on faisait du transport de prospecteurs, on faisait de la photographie aérienne. La plupart des cartes qu'on utilise aujourd'hui au niveau canadien, les cartes topographiques, ont été faites avec ou à partir d'avions. Et ça remonte au début des années 20, avec des appareils qui ressemblaient beaucoup à la Vigilance, les hydravions à coque. Donc, l'histoire du vol de brousse, c'est quelque chose d'important au niveau canadien. Ça se fait encore aujourd'hui. Ça existe depuis 80 ans ou plus pour le développement des régions éloignées. Surveillance forestière, transport de prospecteurs, tout ce qu'on peut faire au niveau utilitaire. Le pilote de brousse, c'est un pilote qui fait du taxi volant. En ce qui concerne le vol de brousse, un incontournable, ça serait les avions de brousse canadiens. Avions de brousse conçus par plusieurs compagnies. Vous avez The Avalon Canada à Toronto qui a conçu des appareils comme le Beaver, l'Otter, le Twin Otter, très populaire, très largement utilisé même encore aujourd'hui. Vous avez plutôt la série des appareils de la compagnie Fairchild près de Montréal. Vous avez la compagnie Nordyne près de Montréal aussi. Donc pendant les années 20, années 30, la production d'avions de brousse canadiennes, ça se faisait surtout dans la région montréalaise. Ça s'est arrêté avec la fin des années 80, la fin de la production du Twin Otter. Mais pendant toutes ces années-là, les avions de brousse ont été fabriqués ici et utilisés partout dans le monde. Parce que si on pense à ce qu'est un avion de brousse, donc une camionnette volante, ce genre d'appareil-là, utilitaire, très versatile sur ski, flotteur ou roue, aussi versatile sont les pilotes de brousse. Parce qu'en fin de compte, le pilote de brousse, qu'il soit canadien ou norvégien ou russe ou américain dans l'Alaska, les caractéristiques sont à peu près les mêmes. Ce sont des gens qui sont débrouillards, qui doivent avoir une certaine initiative, ne pas paniquer pour rien, qui sont des pilotes expérimentés, qui peuvent se débrouiller, qui connaissent la mécanique, qui ont une expérience du vol dans des régions éloignées où il n'y a pas nécessairement d'aéroport ou d'infrastructure développée. Donc avec le GPS aujourd'hui, les satellites, les systèmes de sauvetage, c'est beaucoup plus perfectionné ou peut-être moins dangereux que ça n'était pendant les années 20. Les cartes sont meilleures, entre autres choses. Mais quand même, c'est une vie qui est différente. C'est un style de pilotage qui est différent. Ça n'est pas du vol régulier comme les lignes aériennes. Ça peut être régulier. Ça peut être également du taxi volant. Avec un lac, un quai, du matériel qu'on charge à bord d'un appareil, avec soit un canot sur les bords de l'avion, ou dans ce cas-ci, de l'hydravion. C'est une vie qui est différente. L'avion de brousse ou l'hydravion de brousse continue de jouer un rôle.
ça fait encore partie de l'histoire ou du réseau de transport canadien. C'est parti d'appareils en bois, en tissu et en fil de fer, cabine fermée peut-être, mais quand même relativement primitif comparé à ce qui existe aujourd'hui, dans plusieurs cas, des appareils conçus dans la région montréalaise ou dans la région de Toronto. Beaucoup de ces pilotes-là ont pris leur retraite, mais leurs histoires méritent d'être racontées. Même si les grands pionniers, les frères Vachon, par exemple, nous ont quittés depuis plusieurs années. Donc, leurs histoires demeurent connues dans les régions éloignées, les îles de la Madeleine. On se souvient des frères Vachon sur la rive nord du fleuve. On se souvient des frères Vachon. On se souvient des vols de brousse qu'on faisait, des évacuations, des vols postaux. La poste aérienne, un autre aspect du vol de brousse. On ne pouvait pas transporter le courrier facilement pendant les années 20, l'hiver, sur la côte nord. L'avion rendait ça faisable. Donc, c'est le vol de brousse, l'aviation de brousse permet de lier des régions éloignées, les régions de la périphérie, de les rapprocher du cœur industriel ou du cœur de la population, de rendre ces gens-là moins isolés. L'avion brise l'isolement des régions éloignées. Que ce soit au niveau canadien, que ce soit en Alaska, que ce soit en Papouasie, en Australie, au Brésil ou en Russie, le vol de brousse, l'aviation de brousse, c'est quelque chose qui permet de relier des régions éloignées vers un centre, que ce soit pour des raisons humanitaires ou économiques. Mais c'est un rôle qui est important et qui continue et qui va continuer pendant de très nombreuses années.